qui sont les frères Lozéa. Les frères Lozéa, nous sommes trois, dont deux en chocolat. Voilà, donc en 2004, Jimmy et moi-même, nous avons décidé de nous lancer en chocolat suite à une passion autour du chocolat et une opportunité aussi, puisque le marché de la Martinique n'avait pas de chocolatier régulier artisanal en chocolaterie. Donc toutes nos recettes tournent autour de ganaches essentiellement, dans lesquelles nous valorisons les saveurs caraïbes. Donc nous avons osé des choses autour des fruits, donc tels que la goyave, le maracuja, la mangue. Nous avons aussi osé des choses au travers des herbes et des infusions, particulièrement avec la citronnelle, le basilic. Et nous avons aussi cherché à valoriser d'autres saveurs, telles que les épices, comme le piment, mais aussi le colombo, donc des saveurs beaucoup plus engagées et très ancrées dans la patrimoine martiniquaise. Alors ici, on est dans le laboratoire. C'est ici qu'on fabrique donc les chocolats et les pâtes de fruits. Vous avez différents postes. Vous avez un poste de fabrication, vraiment des recettes, un poste de découpe, un poste d'enrobage et un poste de moulage. Aujourd'hui, en Europe, donc des truffes. Des truffes, on va dire une méthode, pas les truffes traditionnelles, mais des truffes au chocolat, au lait, caramel et du rhum aussi. Voilà. Alors, les truffes sont déposées donc, sur l'enrobeuse, sur une grille. Elles sont enrobées de chocolat. Elles vont tomber dans une poudre à base de sucre glace avec un colorant alimentaire. Voilà. Aujourd'hui, ce sont les tablettes Nougat Pays. Donc, le Nougat Pays, c'est donc simplement de la cacahuète qui est passée au four, qui est grillée. Ensuite, on fait un caramel à base de sucre. On mélange le tout ensemble. On va refermer donc les tablettes avec encore du chocolat. Nous avons eu une expansion relativement rapide en 8 ans avec une production qui a régulièrement augmenté. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 10 tonnes de chocolat en termes de sorties de fabrication, ce qui représente à peu près 6 à 7 tonnes de cacao en équivalence. Nous avons eu cette chance d'avoir beaucoup de reconnaissance ces 3-4 dernières années. Notre première reconnaissance a été au niveau local. Et puis aussi, il y a de cela 2 ans, nous avons eu la chance au Salon international de Paris du chocolat de recevoir une récompense, c'est-à-dire 3 tablettes sur 5 nous permettent effectivement aujourd'hui d'avoir cette reconnaissance internationale en étant classés dans le monde comme étant de bons chocolatiers.